Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon voilà, aujourd'hui, voilà, comme vous avez lu dans le titre, voilà, bon, c'est un peu putaclic, je l'avoue. Voilà, j'ai mis comment avoir Just Cause 4 gratuitement, bah c'est tout simple. Vous allez sur l'Epic Game Store et pendant une semaine jusqu'au 23 avril, il sera gratuit. Voilà, bah du coup, je voulais. Désolé, mais cette vidéo va durer plus longtemps que prévu, voilà, comme ça on fait une découverte, voilà, c'est écrit dans le titre entre parenthèses, voilà. Comment avoir Just Cause 4 gratuitement, entre parenthèses, découverte, voilà. Bah, du coup, on va jouer en mode hors ligne. Parce que bon, voilà, il y a déjà un bug, voilà, chez Epic Games. Va savoir pourquoi. Oui, voilà. Va savoir pourquoi on peut pas jouer en ligne à Just Cause 4 sur l'Epic Game Store. Voilà, c'est un bug. J'espère que Epic Games vont le corriger, voilà. Du coup voilà, n'oubliez pas avant de le lancer le jeu, bah déconnectez-vous d'internet parce que sinon le jeu il va crasher au début. Bah, du coup là on va faire une petite découverte, voilà. Voilà, comme je l'ai dit, il est dans l'Epic Game Store gratuitement. Je vais me faire. Ok, vous savez quoi? Je vais mettre mes options, je vais mettre mes paramètres de touche, tout ça, et on se verra au début, hein. Bon bah voilà, j'ai fini mes paramètres, voilà, j'ai tout réglé, bah du coup on va lancer la partie, hein. Voilà la cinématique. L'ancien membre de l'agence Rico Rodriguez. Jusque-là, on ignorait où il se trouvait depuis que nous nous sommes retirés de Medici. Il est responsable de la démission d'une dizaine de chefs d'État. La main noire a déjà eu affaire à lui à San Espirito. Où il a assassiné notre employeur, le président Salvador Mendoza. Nous l'avons affronté à nouveau à Medici, où il a renversé Sebastiano Di Ravello. Bien que l'agence ait été impliquée, voici son officier traitant, Tom Sheldon. Nous avons appris que les motivations de Rodriguez pour libérer Medici étaient personnelles. Vous m'avez déjà briefé sur cet homme, commandant Morales. Nous préparons un test, vous pouvez aller droit au but. Bien, monsieur Espinosa. D'après nos renseignements, il s'agirait du fils de Miguel Rodriguez. Mon Miguel Rodriguez? Et? Il est ici, à Solis, en ce moment. Alors, voilà la super arme de mon père. Le projet IAPA. C'était un type bien, mon père. Un scientifique. Pourquoi il aurait construit une chose pareille? Mon oncle aussi était quelqu'un de bien. Et ils sont morts tous les deux. Ça pose question, hein? Il nous faut des réponses. Tu peux pas faire ça tout seul. Je connais des gens qui peuvent nous aider. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Cette fois, c'est différent. Les intempéries, ça va pas m'arrêter. C'est plus que de simples intempéries, Rico. Écoute juste ce que j'ai à te dire. Mira, un plan, c'est une liste de choses qui tournent mal. Et les listes, c'est pas mon truc. Tiens-toi prête. Quand je te connecterai à cette console, tu devras vite trouver Spinoza. Il répond à mes questions, et on détruit le projet IAPA. Ça te va? Dans ce cas, bonne chance à toi. Oscar Espinosa a intérêt à parler. Okay. Vérification de la radio. Je te reçois 5 sur 5. Je vais surveiller ta progression à distance. Ok, bah du coup on peut déjà utiliser un grappin. Ok, j'ai toujours pas. J'ai pas très bien compris à quoi servent les grappins, mais bon. Ok, on a que cette arme là pour l'instant. Apparemment, oui. En fait, j'ai toujours pas compris à quoi sert le grappin, mais la route est barrée. Tu peux quand même passer? Ok.
What? Attends. Ok, mais... Ok, attendez, je vais passer jusqu'à ce que j'arrive à utiliser le grappin. Ah ok, il faut pas maintenir, il faut juste toucher. Bon, bah ok. Je vais où maintenant? Les lumières de l'autre côté de la vallée. Dirige-toi par là. Cette tour est immense. Espinosa assure qu'elle va changer le monde. Que les tornades et les ouragans deviendront de l'histoire ancienne. Okay. Et presque tous les Solisiens le croient. Le projet IAPA ne sera bientôt plus un problème, Mira. Si ton plan fonctionne. Il va fonctionner. Quoi? Ok. Ok, d'abord... Ok, il faut que j'utilise le grappin. Du coup... Ok. Espèce de fils. Ok, bah pour l'instant la maniabilité elle est bof bof hein. J'y suis. Super, suis cette conduite et prépare-toi à un face à face avec la main noire. Ce sera pas le premier face à face. J'avance. Ok. Du coup, on doit aller tout là-haut, c'est ça? Ok, je commence à m'habituer un peu au grappin. Ok, là, je dois aller là-bas. Ok, les ennemis sont là. Ok, il y en a encore un là-bas. Je pense que c'est le dernier. Hein. Écoutez, je vais aller prendre les munitions qu'ils avaient sur eux. C'est quoi ça? Ah, une caisse remplie d'armes? Quand la main noire doit se déployer, elle se prépare, elle. Ok, niveau de discrétion, c'est pas trop ça, hein, pour l'instant. Attendez. Ok, l'IA elle a un peu pété hein. What? L'attaque a cessé. À toutes les unités, restez en alerte. Ok. Y'a pas moyen de rester un peu discret? Non. Ok, pour changer d'arme c'est assez rapide, ça va. Ça semblait les déranger que je fouine. La main noire est composée de mercenaires très entraînés et entièrement à la solde d'Espinosa. Il a sa propre armée. Et ils sont plutôt bons. Pas assez pour moi. Contact rompu avec l'ennemi. Regroupement. Ok. Trop facile. Ça va, j'aime bien le grappin hein, dans ce jeu. Il est bon.
Après, c'est vrai que dans les phases de montagne, c'est un peu casse-tête C'est un peu casse-tête hein, quand même le grappin. Mais au début, quand on comprend pas trop, mais après, ça va. Ok, du coup on doit aller là-haut. Je suis au projet IAPA. Rico, il y a une console plus haut sur la structure. Je vois pas trop comment tu pourras... Je vais trouver un truc. Ok. Je vous avais dit, cette vidéo elle va être beaucoup plus longue que les autres. Mais... voilà, c'est une vidéo découverte, hein. Compris, il y a un intrus. Je pourrais monter en me servant de la ventilation. Ok, elle est où la ventilation? Monsieur, les médecins demandent à tout le personnel de s'abriter à l'intérieur. Un test du projet IAPA. Trouve la console. Mieux vaut que tu sois pas dehors au début de ce test. J'y suis presque. On a plus la cible en visuel. Ouais. Ça, c'est un ennemi là-bas, non? Bon, je sais pas. Waouh, attends, ils sont où? Ils sont où? Trop de dégâts là, c'est dur là. Ah, c'est stylé quand même tirer avec le grappin. Il est où? Ok. Écoutez, je vais prendre les munitions que je vois. Ouais. En fait, je sais pas quelle arme est mieux que l'autre. Bah, du coup. Attendez, il est où l'ennemi là qui m'a tiré dessus? Attacher les liens. Ah ok, on peut aller attacher les gens avec. Oh, ok. C'est bon. Mira, j'ai trouvé la console. Connecte-moi et je te localiserai, Espinosa. Ok, un lance-roquette. Piraté. T'es connecté, Mira. Entendu. Ne t'éloigne pas de la console ou je perdrai la connexion. À toutes les unités, l'intrus a accédé au réseau.
Ah mince. Et merde. Retiens-les. Je vais au plus vite pour le trouver. Oui, mais où? Ben, ils sont gentils avec moi. Hein. Ils essaient déjà. Quoi? Ah ok. What? Attends, pourquoi je peux pas tirer sur lui? Ah ok. Bah écoutez, il y a plus personne, hein, j'ai l'impression. Ça grouille de gars de la manoir ici. J'ai franchi la sécurité. Encore quelques secondes, Rico, et tu pourras y aller. Je suis en train de le chercher. Ok, il est là. Ok, prends ton temps. Mince, il a un bouclier, hein, lui. On a fait tout ça alors qu'il est au sommet de... Ok, il y a une cinématique. Je doute qu'il ait pu survivre aussi longtemps. Ce n'est pas n'importe qui, monsieur Espinosa. C'est vrai. Autant en être sûr. Oui, monsieur Espinosa. Nous voyons de quoi le projet IAPA est capable. Monsieur. Il faut laisser du temps au cœur pour atteindre la puissance maximale. Vous pensez pouvoir l'occuper jusque-là? Ici le commandant Morales. Nous avons un intrus sur le site. Activez les défenses IAPA et ah ouais, engagez carrément. Toutes les tours d'artillerie. La femme qui était avec Rico à l'aéroport, c'était bien qui, je crois? Oui. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ok. Là, on vient de finir, je pense, le sorte de tuto, on peut dire, là. Genre la mission pour apprendre. Rico. Rico, ici Mira. Réponds, je t'en prie. Mira. Réponds, Rico. Allez, réponds. Mira. Rico, Dieu soit loué, t'es vivant. J'avais perdu ta position. Ouais, mon grappin est cassé. Tout comme ma wingsuit, mon parachute, et quelques côtes. Je dois réparer tout ça. J'ai des outils à El Abismo. Tu es où? Dans la forêt. Je sais pas où. Je t'envoie mes coordonnées. Espérons que ça marche. Bien reçu. À tout de suite. Fais chier. Ok. Bah du coup, écoutez, je sais pas. Bon, le jeu, il est. Bon, déjà le jeu, ouais, ok, il est pas moche non plus, mais il est pas sans très mon grappin, j'ai l'impression d'être amputé d'une partie de moi. On a perdu la cible. Laissez tomber pour l'instant. Ok. Et du coup, je vais rejoindre Mira. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ouais. Ok, il y a un hélicoptère là. J'entends un hélicoptère. Ok, une musique de tension là qui...
qui s'est mis, je sais pas pourquoi. Un hélico de la main noire. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ça s'est vidé très vite. La moitié des gens d'ici tentent d'échapper à Espinosa et à sa main noire. Ok, bah en fait, où elle est Mira là? Parce qu'il y a clairement un hélicoptère de la main noire qui est là. On peut rentrer ici? Non. Ah mais je suis carrément obligé de passer par là en fait, c'est ça le problème. Je peux entrer par là? Ouais. T'as une sale tête. Tu veux de l'eau? La main noire surveille le village. Ça arrive souvent? Pratiquement jamais. Quelqu'un a peut-être attaqué leur base météo. Outils. Merci. Je peux pas m'attaquer au projet IA pas tout seul. Je suis d'accord. Je reconnais que j'avais tort. T'avais raison. Est-ce que c'est un signal de détresse? Je croyais que tu faisais plus partie de l'agence. Tiens, aide-moi. Qu'est-ce qu'on fait pour Yapa? Entre le blizzard et les tours d'artillerie, impossible d'approcher. J'ai quelques idées en tête. Je t'écoute. Attends. Écoute. Vos prochaines actions pourraient déterminer le destin de cette communauté. Je suis le commandant Morales. J'ai toléré El Abismo pendant des années. Pour maintenir l'ordre et la justice à Solis, j'ai accepté que cet endroit serve de refuge aux criminels et aux hors-la-loi. Mais cette nuit, une attaque terroriste a été menée contre une installation du projet IAPA. Le coupable avait un complice au sein même de ce village. C'est qui ? Gabriella. Elle a tué mon oncle quand j'étais petite. Elle sait qu'on travaille ensemble ? Si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve Mira Morales, je devrai fouiller le village de fond en comble. Les maisons seront inspectées, l'identité de chacun d'entre vous sera vérifiée. Et toutes les transgressions seront très sévèrement punies. Vous. Luis. Où est Mira? Dites-moi où. Je dois arrêter ça. Gabriella! Lâche-le, cousine. Tu as du courage, je te l'accorde. Ton père aurait honte de voir le monstre que tu es devenu. Vous êtes des traîtres et vous pourrez partager votre déception tous les deux en prison. Qu'elle monte dans l'hélico. Mira! Ok, ça sent la castagne, hein, tout ça. Plus un geste. Ah mince. Ok. Oh.
repliez-vous. Ah, je croyais que c'était moi qui devais jouer, mais non. Je crois bien qu'on vient de lancer une rébellion. On n'avait pas à entraîner les villageois là-dedans. On a besoin d'eux pour mettre un terme au projet, il n'y a pas. Alors, il leur faudra des armes. Eh ? Il y a une usine un peu plus loin, sur la route. Elle est abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a, Vakios ? La main noire, il faisait fabriquer des armes il y a des années. Allons voir ça. Louis, c'est ça. Occupez-vous de ces gens. Quiconque veut combattre la main noire est le bienvenu. Ça va aller, Sargento ? Oui, chef. Mira, je vérifie que mon équipement fonctionne. On se retrouve à l'usine. Ok. J'espère que rien va foirer. Est-ce que mon grappin marche de nouveau ? Oh oui. Ah mince. Ça va, y'a qu'à sauter. Ok, bah du coup, allez, je fais ce saut. Ah, parfait. Hey Rico, c'est Louis, ici Sargento. On va vous retrouver à Casquillos Vacios avec Mira. Ok, yes. Ok, le système de nage, il est quand même très nul. Hein. Ok, bah du coup, je vais essayer de sortir de l'eau. Allez, on va tenter de faire exploser ce véhicule. Ah, normalement, là, waouh, le gars il a carrément sauté. Ah ouais. Ah ouais, c'est badass hein, quand même. Ok, je vais tenter une dernière fois, les gars, c'est trop amusant. On va l'accrocher à 7. Allez, à lui. Ah. Et en vrai, il est drôle hein, quand même, le système de grappin. Allez, on va faire une dernière petite explosion. Vous êtes prêts? La dernière explosion de la vidéo. Ok, ça n'a pas explosé. Ouais. Ah ouais, ça a quand même explosé. Hein. Mon avis général sur le jeu, voilà, bon. Il est pas mauvais. Voilà, il est pas non plus très très bon. Mais voilà, il est bon. Voilà. Voilà, heureusement qu'ils l'ont mis gratuit parce que bon, voilà, comme ça, ça permet de découvrir la série des Just Cause. Voilà. Voilà, je pense pas que s'il était payant, je l'aurais acheté, mais voilà, heureusement qu'il est gratuit pendant un certain temps. Voilà, je vous le rappelle, voilà, il est gratuit du 20... Non, il était gratuit depuis le 17 avril, voilà, il va être gratuit jusqu'au 23 avril, toute une semaine, voilà. Ça vous donne le temps de l'installer, seulement sur l'Epic Game Store, voilà. Du coup, pour les joueurs console, bon, voilà, vous l'aurez pas gratuit, et sur Steam, voilà, il est pas gratuit non plus. Après, voilà, je vais vous dire, voilà, je pense que je l'ai déjà dit en début de vidéo, voilà, n'oubliez pas que le jeu en Wi-Fi, enfin avec le Wi-Fi sur l'Epic Game Store, voilà, il marche pas. Je sais pas si l'Epic Game Store, ils vont corriger ce bug, tout ça, voilà, mais n'oubliez pas de lancer pour l'instant le jeu. Lorsque vous le lancez, n'oubliez pas, d'éteindre le Wi-Fi, tout simplement, voilà, de désactiver le Wi-Fi sur de votre PC, tout simplement, pour pouvoir y jouer seulement en mode solo, voilà. Voilà, du coup, vous pouvez pas jouer en coopération, tout ça. Bon bah sinon n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos potes, voilà, qui veulent avoir le jeu gratuitement, voilà, comme ça vous montrez à vos potes à quoi il ressemble. Voilà, et on se dit à la prochaine et ciao.